Salut, salut, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer les aventures avec Podman et les conteneurs pour ce live exceptionnellement un lundi. J'espère qu'il y aura du monde. On va attendre un petit instant que ça arrive. Hop, alors. Le temps de se caler, le retour vidéo c'est bon. Ensuite, le chat c'est bon, je l'ai dans le coin. Je vais vérifier que ça j'ai ce qu'il faut, mes connexions. Hop. Et on va s'assurer que ce que je voulais tester ce soir, je l'ai bien. Alors. Salut Studio Cyanotype, j'espère que le son passe bien. Soundcheck, 1, 2, 1, 2. Et hop. Hop, ça c'est peut-être un peu haut. Ok. J'ai mes affaires. Hop, ça c'est bon. Donc, ce soir, hop là. Et c'est bon pour toi niveau son. Super. Merci Studio Cyanotype. Merci beaucoup. Salut à toi Manon. Bienvenue. On va attendre encore une minute ou deux. Je vais essayer d'attendre un petit peu ce soir parce que j'imagine. Je me suis rendu compte en fait d'un truc très bête, c'est que j'avais voulu envoyer un tweet vers 18h, 18h30, je sais plus exactement. Alors j'ai envoyé le tweet sur Mastodon et puis le tweet n'est pas parti sur Twitter. Et donc je suspecte que tout le monde n'ait pas eu le mémo. Et en fait, ce soir, ce que j'aimerais. Parce qu'en gros, ce que je veux faire, c'est rattraper un peu le live que j'aurais fait hier soir, si j'avais été dispo. Et en gros, bah, on continue la partie découverte, un peu conteneur, Podman, on teste différents trucs. Et en fait, il y a quelqu'un de fort sympathique qui en privé m'a donné quelques trucs avec notamment Podman Compose et ça va être ben, l'occasion de tester tout ça. Alors, toujours dans la préparation, je crois qu'il faut que j'installe 2-3 dépendances. Je vais passer tout de suite sur sur la partie hop, comme ça on a le terminal. Et en gros, un aimable contributeur, qui n'a pas l'air d'être dans le live de toute façon, m'a envoyé une petite archive avec un fichier Docker Compose. Deux petits répertoires, une liste des commandes à effectuer. Et en fait, je les ai bêta-testés durant la semaine et je me suis rendu compte que il manquait quelques dépendances. Et si je n'installe pas ces dépendances, eh bien, figurez-vous que ça peut poser des soucis. Donc l'idée, c'est que je retrouve ma conversation en privé avec l'intéressé. Dans lequel je m'étais noté, ah oui, finalement, il faut installer ceci et cela. Hop là. Alors.
puisqu'en fait, alors on va faire un petit DNF clean all déjà. Sudo DNF, alors on va faire un petit DNF upgrade là, histoire de hop d'être tranquille. Parce que je pense que j'ai pas dû passer les mises à jour depuis que je l'ai pop la machine. Et une fois que ça se sera fait, on va installer les petites dépendances manquantes pour jouer avec, certains mécanismes et notamment Docker Compose. Salut à toi Azram! Alors, il veut m'en passer mine de rien des mises à jour. Bon, on va lui dire ok. On va lui dire ok. Et ensuite, ça va, il télécharge vite. Je vais vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai les dépendances pendant qu'il travaille. Alors, la première dep, c'est... Hop. Slurp for net ns. Oh bah il y est, ok, cool. Et le deuxième rd varc -dns. Ah, lui par contre il est pas installé. Alors en gros, l'idée avec le petit compose là qui m'a été aimablement fourni, c'est de créer en fait un ensemble de deux conteneurs. Un qui fait donc reverse proxy, puisque la semaine dernière on avait essayé de faire deux conteneurs, un conteneur reverse proxy et un conteneur on va dire applicatif. Enfin applicatif c'est un bien grand mot, hein, c'est juste un site internet statique. Mais au moins, on va pouvoir jeter un œil à comment essayer de faire ça de façon à ce qu'il n'y ait pas d'adhérence sur des adresses IP internes et de pouvoir popper, repopper les conteneurs un peu comme on le veut. Et 324 packages, sérieusement? Faudra que je pense en fin de... Alors, faudrait que je pense à faire ça dans mes checklists avant les streams, de balancer les mises à jour quand c'est pertinent. Parce que typiquement pour le moment les mises à jour sur la partie la base code, bon c'est pas forcément le meilleur moment. Je sais pas d'ailleurs si Fedora fait régulièrement des images avec des mises à jour mineures d'intégrer. Je crois qu'il y a des numéros de version mineure sur les images disques cloud, mais je sais pas s'ils en font une de temps en temps ou s'ils attendent genre vraiment longtemps après que la première version soit sortie. Ok, alors hop, et on va installer ce petit paquet là. Alors à quoi ça sert ces deux paquets que donc j'ai voulu vérifier la présence en fait. Le premier permet justement de gérer la partie réseau entre plusieurs conteneurs. Et le deuxième fait une sorte de micro DNS, j'ai envie de dire, ou plus ou moins simili DNS. Puisque des fois on va mettre des noms un peu particuliers dans nos conteneurs pour accéder à d'autres. Et il faut pouvoir remplacer ces noms par des adresses IP, en fait. Alors, on va rebooter vite fait. Voilà. Et est-ce que ça redémarre vite? Hop. Ça redémarre vite, mais jamais assez vite. Jamais trop vite, en tout cas. Ok. Allez. C'est reparti. Voilà. Donc j'ai un petit exemple de Podman Compose. Alors, comment ça marche?
Le principe, c'est qu'on a un fichier, alors, Podman Compose, Docker Compose, hein, un peu kiff kiff, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, ou presque. Et on a un fichier qui généralement s'appelle docker-compose.yaml et qui contient un certain nombre de d'informations. Notamment, on a des réseaux, on a des volumes. Alors les volumes, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On mettra peut-être à jour le fichier. Et puis on peut voir qu'on a des services et on a deux conteneurs en fait. On a un premier conteneur qui s'appelle RP et on a un deuxième conteneur qui s'appelle Nginx-Web. Hop. Et les volumes, par contre, on a des trucs un petit peu plus intéressants. Voilà. Et on peut voir que bah, typiquement notre reverse proxy, il a deux networks. Web et internal, alors que le Nginx Web, il est que dans internal. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a même des directives, genre on peut faire un restart, à moins qu'on l'ait stoppé nous-mêmes. On a beau ici avoir un nom, on peut redéfinir le nom du nom du conteneur. Je pense que ça, c'est pour les... Vous savez, on avait vu des conteneurs avec des noms parfois un peu comiques. Je pense que ça permet justement d'avoir des noms un peu plus prédictibles. Et on peut même faire de la redirection de port. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on m'a même fourni des commandes d'assistance avec notamment, et au fait, il faut créer un network au niveau Podman. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si on commence à faire jouer avec la commande Podman Network, on peut faire un Podman Network LS par exemple. Et là, on voit qu'en fait, il y a juste un seul réseau qui s'appelle le Podman et qui est bridgé sur notre interface, sur l'interface du système. Donc, on va créer, avant de créer notre réseau web, on va créer un internal, puisque celui-ci n'existe pas non plus. Voilà. Et si jamais je refais derrière un Podman Network LS, on remarquera qu'en fait, par défaut, c'est toujours un driver bridge. Alors, il existe d'autres drivers, mais leur usage peut être différent et peut s'avérer pas forcément utile. Enfin, en tout cas, dans notre exemple, a priori, le driver bridge devrait suffire et permet en plus d'être en... comment dire ? Faudrait que je sois root, je crois, pour certains drivers réseau. Et ce que je veux, c'est le plus possible faire les trucs en tant que simple utilisateur. Même si, bon, je peux faire sudo open bar sur ma machine, c'est pas un problème. Salut à toi, Shunji Wang. Et Azram qui nous dit, j'ai jamais trop cherché pourquoi le Compose ne peut pas créer le réseau de lui-même. Effectivement, ce serait à creuser. Si jamais tu as l'information, Azram, ça pourrait être très intéressant, parce que c'est vrai que ça manque, en fait, dans le fichier Docker Compose. Enfin... On voit bien que tout est fait pour que ce soit, entre guillemets, automatisé. Mais je pourrais aussi creuser, d'ailleurs. J'aurais tendance à dire, on va creuser tous les deux, et puis le premier qui trouve des trucs, on y en parlera à l'autre. Donc là, pour le moment, on a juste créé l'internal. Et on va en créer un deuxième, donc qu'on va appeler web. Voilà. Et tout va bien, on a nos trois networks. A noter que j'aurais pu, au lieu d'utiliser, si je refais un petit cat sur le docker-compose.yaml, j'aurais très bien pu me dire, allez hop, je me casse pas la tête, je remplace les noms des réseaux, il y en a un, je laisse en web par exemple, et puis l'autre, je mets Podman par exemple. Mais tant qu'à faire, autant se baser sur ce qu'il y a déjà dans le fichier. Ensuite, on va créer les conteneurs. On va les construire. Et pour les construire, ça va être très simple, hein. On va les builder exactement comme c'est indiqué là-dedans. On peut même justement les builder à grand coup de Podman Compose up-d. Mais ce que je voudrais montrer, c'est déjà le contenu de tout ça. Parce qu'en fait, on a donc à chaque fois un répertoire avec un Dockerfile. Et ça, c'est cool. Donc si je commence à regarder le Nginx-Web Dockerfile... Hormis le fait que c'est une Alpine Linux et que donc la gestion des packages n'est pas la même, ben à peu de choses près, c'est un peu comme ce que j'avais avant. Hein. Si jamais je... Podman test 2, je crois. Hop, test 2. Qu'est-ce qu'on avait dans ce Dockerfile-là?
croise les doigts pour que tout se passe bien. Oui, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément précisé que c'est Azram qui m'a filé la petite archive avec tout, tout qui va bien. Et ça me fait gagner un temps fou. Donc encore merci Azram. Ouais, globalement, bon, moi j'avais fait un RM ouais, parce que j'avais récupéré les serveurs configs, mais ça, à la limite, c'est pas, comment dire, c'est de l'ordre du détail. Donc globalement, on a un petit fichier de conf Nginx par défaut. Donc si je vais dans Nginx Web et que je regarde le default, hop là, on a globalement, voilà. On a juste une petite conf assez minimaliste. Et si on regarde notre reverse proxy, hop, et qu'on regarde aussi son Dockerfile, et ben à peu de choses près, voilà, on a aussi notre hop. Et là on voit bien il y a écrit nginx-web et en fait le paquet hardvark-dns permet de remplacer le nginx-web par. Par l'adresse IP que le conteneur aura quand il aura popé, en fait. Bon, et ben, j'ai envie de dire, à un moment, faut se lancer. Hein. Donc, on va lancer un petit podman compose up -d. Je pense pas que ça va marcher du premier coup. Je suis... podman... Ah bah oui. Voilà, ça commence bien. Hein. Allez, hop. Podman-compose. Je pensais l'avoir installé, mais... j'ai dû l'installer sur une autre machine. Voilà, comme ça ce sera mieux. Ça a l'air de se passer plutôt bien. Ça a l'air de se passer plutôt très bien. Exit code 0, ça c'est bon signe. Exit code 0, c'est encore meilleur signe. Alors, si je fais un petit podman PS, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on peut voir que on a deux conteneurs qui sont tout jeunes. Et finalement, leurs noms, voilà, on n'a plus les noms, on a plus les noms amusants, on a des noms... Il y a des erreurs dans l'affichage. Ah, donc tout se passe pas aussi bien que prévu. On a Manon qui surveille. Effectivement, il y a une erreur. Inspecting... Ah oui, le volume en question. Visiblement, il est pas bon. Faudra qu'on modifie le truc. Est-ce qu'on a une autre erreur? Ouais, pareil. Donc c'est les volumes. C'est juste les noms des volumes. Faudra sans doute qu'on adapte à ce qu'on a dans le... Azram qui cherche de quoi distraire Manon. Est-ce qu'on a d'autres erreurs? Est-ce qu'on a d'autres erreurs? On va remonter, hein. Hop, erreur inspecting. Podman compose example RP in image not known. Ok. Salut à toi, Rancune! Ok, on a juste celle-ci. Oui, on voit ça, Manon. Tu as un grep intégré pour le mot error. C'est pratique. Bon. On va commencer par regarder un peu dans quel état c'est, parce que ça a pas complètement... Comment dire? Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas totalement fonctionné. Mais ça va peut-être fonctionner juste assez pour qu'on regarde des choses. L'erreur de conf mène à l'erreur, l'erreur mène au bug, le bug mène au côté obscur du développeur. Merci Manon. Et pendant ce temps-là, Azram qui nous... balance tout ça sur le dos de Podman Compose parce que il a fait les tests avec Docker Compose. Mais là, pour le moment, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a on a un truc. Si je refais un doc... Ok, les conteneurs sont toujours là. Hein, ça fait 2 minutes qu'ils sont là. Ils existent toujours. Donc, on doit pouvoir prendre un navigateur web. Et puis, on doit pouvoir faire un petit truc du genre HTTP. Hop, comme ça. Et si je suis un petit 192.168.122.122, la connexion a échoué. Ah oui, 2.8099. Et la connexion a échoué aussi parce que je n'ai pas ouvert le port 8099 sur le firewall. Alors ce qu'on va faire,
effectivement, c'est qu'on allait faire un podman compose stop. Hop, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis déjà dans le firewall? Firewall, hop là. Wall-cmd, on avait quoi? Le forward de 80 qui forwardait vers 8000. Ok. Donc, si je reprends mon Docker compose, là, au lieu du 8099, hein, je vais faire le 8000. Juste le 8000. Hop. Et ensuite, eh ben, on va rebuilder tout ce petit monde. Hey, salut à toi, Uppsala. Bienvenue. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va relancer notre conteneur. Hop. Alors, pour être honnête avec toi, Azram, je pense que le SSL, on va pour le moment laisser tranquille. Oui, effectivement, ça fait longtemps, Ayam Uppsala. C'est très gentil de faire coucou. Effectivement, ça fait un petit moment, soit que je t'avais pas vu sur le live, soit que je n'avais pas vu un live de ta part. Donc maintenant qu'on a notre petit truc, si je suis un petit podman PS, qu'est-ce qui se passe? On a des conteneurs qui sont pas très vieux. Et ça, c'est cool. Et qui ont l'air d'avoir plus les mêmes numéros. Bah oui, carrément Uppsala. Faudra qu'on se prévoie un truc. Et donc là, si cette fois-ci, je le tente sur le port 8000... En HTTPS, non, pas en HTTPS, s'il te plaît, en HTTP. Voilà, et là, hop, j'ai la page. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Maintenant, la sortie de Podman Compose est vachement plus verbeuse que celle de Docker Compose. Alors, je vais te croire sur parole vu que je n'ai pas de Docker sous la main. Ceci étant, ça pourrait être une idée d'aller jouer au jeu des 7 erreurs à l'occasion. Il faudrait que je pop une autre VM, alors je le ferai peut-être à un autre moment pour pas perdre de temps ce soir. Mais ça pourrait être une bonne idée, je pense. Pourquoi pas de popper une autre VM et de mettre Docker et pas Podman. Et puis comme ça, on pourrait lancer les mêmes choses d'un côté et de l'autre et voir pour jouer au jeu des 7 erreurs. Donc, jusque-là, ça se passe pas si mal, puisque on a notre truc. Et alors, ce que j'aurais aimé voir, c'est si je me fais un petit podman. Alors, je crois que c'est exec. Si je commence à mémoriser les commandes Docker et podman, ce serait pas mal. Si je vais là-dedans et que je fais un slash bin slash sh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai un shell. J'ai un shell dans mon conteneur. Ça, c'est plutôt bon signe. Et je suis root dans mon conteneur. Ok. Si je vais dans etc nginx et que je vais dans http.d, le default.conf avec effectivement tout ça. Ça doit vouloir dire que dans varlog nginx, on a nos logs. Et effectivement, nos logs, il y a des choses dedans. Alors si on regarde l'error.log, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit host not found in upstream nginx-web. Ah. Donc au début, il n'était pas content. Il n'a pas l'air très content. Alors que pourtant, il m'a affiché la chose. Hein. C'est quoi cette blague-là? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, je pense que c'est quand il a essayé de causer en HTTPS. Il a essayé de causer en HTTPS d'abord et du coup, il a envoyé des trucs bizarres, chiffrés. Et donc on a bien un get slash, on a un get style.css. Alors c'est marrant, on est... Il y a un truc que j'ai toujours pas compris, faudra peut-être que je creuse d'ailleurs. C'est les adresses IP. Moi je m'attendais à avoir un 192.168.122.1 ici. D'ailleurs je suis en train de me dire que vu que j'ai la redirection de port, je dois pouvoir faire ça en fait. Voilà, là ça marche aussi. Et si je refais un petit... Hop. Non, toujours en 10.89.2.4. C'est l'IP des networks Podman. Ok.
Mais on a bien. Là, on a le référeur, ok. Mais bon. Toujours est-il qu'au niveau du reverse proxy, on a nos gets. Et ça, c'est cool. Alors, j'ai une gateway. Ouais, j'ai une gateway. Ça, je veux bien comprendre. Mais en fait, dans mon cas de figure, là, je vais peut-être d'ailleurs sortir un petit. Pop, 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 pom. Je vais peut-être sortir un petit diagramme ce point-là. Tiens. T'es où, draw.io? Il est passé où? Oui, je suis en train de chercher. Alors, quand je dis diagrams.net ou draw.io, c'est la même chose. Hein. Je viens de me rendre compte que j'ai indiqué les deux comme ça. Il est passé où? Ah, bah, il est là. Hop, je reconnaissais plus son icône. Parce qu'en gros. Hop, allez, new diagramme. Network, network. Cloud, non. Network, c'est bien ça. Puis on va se baser là-dessus, tiens. Hop. Ou pas. Allez, hop. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai. J'ai. Non, on va pas prendre ça. On va prendre plutôt comme ça. J'ai mon PC. Et dans mon PC, j'ai une VM. Hop. Et là, il s'appelle pod test. Hop, ouais, ça s'appelle pod test. Alors déjà, ça, on va le mettre un petit peu plus gros. Alors, pod. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le inspect. Bien vu. Hop, non, on va plutôt faire ça. Alors, podman network inspect. Hop. Et il me faut. Alors, si je fais podman, donc ça, c'est le premier réseau. Avec un subnet et une gateway. Ok. Et si je fais web. Non, avec un seul B. Driver, host local. DNS enable true. Internal false. Ok. Bridge. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que. En fait, là, on a subnet et gateway. Ça, je le. Je le. Alors, ça veut dire qu'il y aurait un NAT. Il y aurait un NAT et le NAT se ferait, genre. Pas dans le sens dans lequel je pense. Parce que là, pour le moment, il dit que c'est 89.1.0 slash 24, 10.89.1.1, et là, je suis en 10.89.2. Alors, si je fais podman 10.88, web 10.89.1, et internal 10.89.0. Donc, il est où le. Ah, c'est un podman. Oh! Ah, bah il est là, le 10.89.2. Mais pourquoi? Parce que ce qui m'enquiquine, c'est que si je fais un truc un peu niveau réseau, si je prends. Ouais, je prends des trucs dans ce genre-là. Alors, on va faire ça autrement. Là, j'ai un réseau. Hop, qui va être en 192 168.122.0 slash 24. Et ensuite, la gateway, c'est 192 168.122.1. Hop. On va monter ça, on va le mettre à 20. Hop, c'est pas mal ça. Et puis on va le mettre en gras. Et on va le mettre ici. Voilà, et peut-être plutôt en haut. Je sais plus comment je peux faire pour le mettre en haut. Mais là, j'ai un premier réseau. Là, j'ai un premier réseau, qui est donc le réseau entre donc mon le PC qui me sert à streamer et la machine virtuelle pod test. Donc dans ce réseau-là, on peut y mettre. Si je mets serveur. Tiens, lui là, il me plaît bien. Voilà. Donc lui, ça va être mon poste. Non. Hop là. Et lui, c'est 192, 168.122.1. Hop. Puis là, on va te grossir un peu.
18, voilà. Et donc lui, en fait, il est là. Enfin, je dirais même il est là. Et puis, je rajoute... Allez, traditionnel serveur. Ça me plaît bien, ça. Hop, on va le mettre là. On va même le grossir un peu. Voilà. Et... Donc lui, c'est pod test 192.168.122.122. Et effectivement, si je suis un petit IPA, bah en fait, ouais, il voit rien. Et donc, a priori, si je pige bien, il serait aussi sur un autre réseau. Hop, voilà. Hop, tu vas passer devant, toi. Tout front, voilà. Et là, à ce moment-là, on aurait plusieurs réseaux. Alors, en fait, même plusieurs réseaux. Donc, on aurait, hop, on va faire comme ça. Et si je reprends ma liste de mes réseaux, on a un podman. Donc, le podman, il a un sacré subnet. Alors, hop, copier, coller. Dont la gateway est... 10.88.0.1, voilà. On va le monter encore un peu. 18, voilà. Ensuite, il y en a un deuxième. On va dire tout back. Hop là. Et donc le deuxième, alors. Si je fais inspect. Ah, LS. Alors. J'ai fait d'abord le podman. Si je fais ensuite l'internal. Inspect internal, voilà, et il est 10.89.0.0/24, hop, voilà, et lui sera du coup 10.89.0.1, ok. Ensuite, le web, ce sera 10.89.1.0, donc je te copie, je te colle. Hop, on se met ici. On fait back. Tiens, et celui-là, ce que je vais faire, c'est que je le... Hop. Hop, comme ça. Donc là, on a dit que c'était 1, 1. Voilà. Et ensuite... Et après le web, il y a le... Il y a le podman compose example. Voilà. Qui lui est en 10.99.2. Hop. On va les mettre. Donc, bah, on va le mettre comme ça. Tiens. Hop. Back. Voilà. Bon, c'est pas ultra joli. Mais au moins, comme ça, on comprend. Comme ça, au moins, on comprend. En gros, là, j'ai ma machine pod test et elle est reliée quelque part à 4 réseaux. Parce que je trouve ça assez, entre guillemets, jusque-là, pourquoi pas, hein, elle peut avoir 4 réseaux virtuels, hein, moi ça me... Enfin, ouais, 4 réseaux virtuels plus ton réseau principal. Mais ce qui se passe, c'est que ma machine qui est là, qui me sert à streamer, quand je fais une requête, hop, quand je fais une requête pour aller... de là à a priori à quelque chose là-dedans, voilà, dans le 10.89.2. Alors le 10.89.2, non, ouais, par exemple celui-là. Alors je trouve ça bizarre. Soit le NAT est fait... mais pourquoi il dit... Attends, il... à ce moment-là, ce serait l'IP de la gateway qu'on verrait si c'était du NAT. Et là, au niveau des logs, on voit bien 2.4. Alors, à moins qu'il y ait un NAT bidirectionnel qui soit fait. Dans le monde du le réseau avec Docker Compose, Podman Compose, ça fonctionne comme ça veut. Le network web, tu dois le créer à la main. Par contre, le internal, il pouvait le faire de lui-même. Quand tu as créé le network internal, il n'y avait pas d'option moment internal, et donc c'est pour ça qu'il a créé un nouveau network internal quand tu as lancé le Compose. Ça change rien à la problématique de gestion des IP. Ok. Ok, mais à la limite, je peux détruire, et puis je peux détruire les réseaux, hein. Et puis on peut recommencer entre guillemets from scratch. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai envie de dire, je suis
cette série de stream, elle est faite pour expérimenter. Donc, très clairement, faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, il a tout coupé. Hein. Si je fais un Podman PS, j'ai plus rien. Maintenant, si je fais un Podman Network LS. Oui, Network LS. Voilà. Et on va faire. Je crois que c'est Destroy. Et on va faire sauter le Internal. Ah. C'est pas Destroy? Hop là. Et c'est RM. Ok. Donc on a dit on désinguait l'internal. On a dit qu'on désinguait celui-là aussi. Hop. Non, il est en train d'être utilisé. Ah oui, c'est parce que... c'est que voilà. Il y a tout plein de trucs. C'est qu'en fait, même les conteneurs qui sont morts, je crois qu'ils les gardent plus ou moins. Je sais plus si je peux faire un genre un truc du genre prune. Non, c'est pas celui-là. Podman RM. Moins help. Hop. Celui-là, il me plaît bien. Allez, hop. On fait le ménage. Il a vraiment fait le ménage. Donc maintenant, si je me fais un petit Podman PS-A... Voilà, là, il n'y a plus rien. Donc, où en étais-je, moi? Oui, je voulais faire du ménage aussi dans les réseaux. Et on a dit que c'était RM. Donc, on dégage celui-ci. Voilà. Et ensuite, web. Et donc, si je regarde les commandes, il fallait juste créer le web. Parce que si on regarde le Docker Compose, a priori... Ah, il a des networks. Et en fait, c'est peut-être parce que c'est les network externals qu'il veut pas créer. Bon, bah écoute... on va se contenter de ça. Hein, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et puis... alors du coup, vu que je les ai créés, je vais peut-être refaire un build et un up. Hop. Et après, on verra ce que ça donne niveau réseau. Et je n'oublie pas qu'il y aura l'histoire des volumes à gérer. Donc là, maintenant, si je fais un petit Podman PS, j'ai mes deux trucs. Si je reviens sur mon Firefox, ça charge toujours. Tiens, je vais faire ça. Comme ça, la prochaine fois, on verra mieux. Ensuite, je vais pouvoir me reconnecter. Hein. Juste pas sur le même. Est-ce que je peux faire reverse-proxy? Oui, pratique. Ah non. Non, 10.89.1.2. Ah, ce sont des volumes internes à Podman. Là, les volumes... Alors, attends, les volumes... Ah non, ça, c'est qu'il l'a... Ouais, a priori, il n'a pas fait d'erreur à ce niveau-là. Enfin, là, il y avait une histoire d'erreur avec un container Nginx-web. Bon. C'est peut-être parce qu'il a... Quand j'ai voulu faire un build alors que j'avais tout nettoyé, peut-être. Bon. C'est pas grave. Toujours est-il que là, j'ai toujours... Ah oui, effectivement, le volume est resté. Puisqu'il y avait dit un 10.89.2.4. Et là, maintenant, on est en 10.89.1.2. Puisqu'il m'a bien fait un Podman Compose Example Internal. Ok. Et un Podman. Alors, si je fais un Podman Network Inspect Web, cette fois-ci, le web est en 10.89. Quoi? Ok.
10.89.1.1. Ah, c'est l'internal, attends. Donc là, donc celui-là, il y est plus. Celui-là, il y est toujours. Et maintenant. Ouais, maintenant, j'en ai plus que 3. Ok. J'en ai plus que 3. J'ai le. Alors. Si je regarde ce réseau-là. Ça, c'est le 1088. Donc ça, c'est le réseau Podman. On va le mettre ici, Podman. Voilà. On va mettre ça en gras. Ensuite, le web, a priori, c'est le 8900. Et ensuite, celui-ci. C'est le. Wait, what? Oui, il manquait le mot inspect, en fait. Hop. Et c'est le 8911. Ok. Hop là. Donc là, on comprend peut-être un peu mieux. Mais du coup, il a utilisé le internal. Donc si ça se trouve, je me suis peut-être trompé encore dans quelque chose. Azram, toi t'abandonnes. J'abandonne la compréhension du réseau. Je me suis arrêté à. L'exemple affiche un site pour l'un début, c'est bien. Il n'y a pas de petite victoire. Oui, non mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Déjà, l'exemple, il marche. Il affiche un site. Et ça déjà, c'est super cool. Mais j'aimerais quand même essayer de comprendre un peu mieux pour ensuite mieux voir comment justement m'en servir. Parce que là, comment dire, dans l'optique de vouloir l'utiliser entre guillemets sur un dans un exemple ce que je peux dire un exemple de la vie réelle on pourrait dire ça par exemple imagine que tu aies à disposition quelques machines virtuelles ou une juste une seule machine virtuelle sur laquelle tu veux segmenter un peu et sur laquelle tu veux mettre plusieurs trucs. Ça peut être plusieurs sites web, ça peut être effectivement plusieurs sites web, une ou plusieurs bases de données, ce genre de choses-là. Au hasard, tu veux profiter, parce que je vais raccrocher les wagons avec un truc qui a déjà eu lors des streams. On avait fait joujou en stream il y a quelques temps avec Google Cloud Platform, qui permet d'avoir une machine virtuelle gratos. Et cette machine virtuelle gratos, ben, elle a potentiellement de l'espace disque, elle a un petit peu de ressources, mais on n'en a qu'une. Et une VM pour monter un pauvre site web statique, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on peut mettre plusieurs sites dessus. On peut en mettre un ou deux qui sont dynamiques, et puis on peut mettre une petite base de données. Donc, je me dis, dans un exemple comme celui-ci, j'aimerais bien pouvoir comprendre et réussir à faire en sorte. Par exemple, si je mettais du Podman ou du Docker dessus, de voir sur un conteneur qui serait du coup sans doute public, quel est l'IP qui est affiché. Parce que bah, dans ce cas-là, on affiche vraiment des choses. Enfin, où se cache, entre guillemets, l'adresse IP réelle. Et pour le moment, on ne la voit pas. Donc, voilà un peu le. Je sais pas si un jour je profiterai comme ça de ma VM gratuite Google Cloud Platform en mettant, je sais pas moi, une dizaine de sites internet. Comment se passe la gestion du réseau dans le côté rootless de Podman? Parce que généralement, les commandes qui touchent au réseau nécessitent les droits route. Alors là. Est-ce que c'est pas de l'émulation de l'ESO avec le. Ah. Ah oui, bonne question, puisqu'on a installé SLIP Fortnet NS. Alors si je fais un petit RPM-QIL2 SLIRP Fortnet NS. Qu'est-ce que c'est exactement que ce paquet? Donc lui, a priori, il fait jouer avec les net for network net occupying buffers across the namespace. Ouais, ok, c'est cool. Je me serais trompé de.
Ah là là. Voilà. Voilà, je me fais avoir par mes propres travers. C'est-à-dire que quand je veux installer une machine type serveur, je fais en sorte de ne pas mettre la documentation pour, entre guillemets, gagner de l'espace disque, hein, et sur un pauvre fichier qui doit faire quelques kilos. Ce qu'on peut faire, c'est... Est-ce que j'ai installé Podman là-dessus? Ouais, j'ai installé Podman. Est-ce que j'ai installé Podman Compose sur mon propre poste? Non. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire un petit sudo dnf- install. Alors, on va installer Podman Compose. On va installer du coup slirp for netns. Et l'autre, c'était quoi déjà? Hop, hardwork dns. Hop, voilà. Allez, sois gentil DNF, fais-moi ça vite fait. Voilà. Alors, user mode networking for unprivileged network namespace. Donc effectivement, c'est bien à ça qui sert. Donc depuis le noyau Linux 3.8, les utilisateurs non privilégiés peuvent créer des network namespaces. Je suis en train de me dire un truc, c'est que ce fichier-là, je dois peut-être même pouvoir le lire un peu facilement avec, avec Glo. Ouais, je peux le lire avec Glo. Ouais, hop. Comme ça. Et on va remonter. Alors, donc, les network namespaces. Donc, il utilise les network namespaces et les user namespaces, qui sont une fonctionnalité qui est apparue dans le noyau version 3.8, dans le noyau Linux 3.8. Mais... Ah oui, parce que la création d'une interface Ethernet virtuelle, ça se fait toujours via les privilèges route. Et en gros, c'est ce que le truc fait. Et ce truc fait, en fait, il crée un périphérique tap virtuel, j'imagine. Enfin, il dit un tap, mais dans un... Oh là là. Et bien entendu, c'est utilisé par Kubernetes et par K3S, qui est donc, si je me rappelle bien, une distribution un peu minimale de Kubernetes, si je dis pas de bêtises. Et par d'autres moteurs de conteneurs comme Podman, Builda, Docker, Containerd, NordCTL, ok. Bon, ça a l'air d'être bien packagé dans toutes les distribs, hein. Il y a même NixOS et Alpine Linux. Mais c'est récent par contre, version 3.14. Parce qu'on est actuellement en 3.15 d'Alpine. Ok, et ça a priori, bah ça à la limite, je veux pas dire qu'on s'en fiche, mais en gros ça c'est géré par Podman ou par Docker. Selon le cas de figure. Eh, ils ont même fait des benchmarks de réseau virtuel. Ah, ils se sont éclatés, les mecs, hein? Ou les nanas, d'ailleurs. Ok. Par contre, je crois qu'il y a, je me demande si j'avais pas fait une bêtise. Parce qu'à un moment. Tu me disais que.
Je sais pas ce que ça renvoie sudo ip NatNSList. Alors déjà, on va le faire gentiment. Ip NatNSList. On va le faire d'abord en tant que... Là, il me renvoie rien et... On renvoie rien non plus. Parce que j'ai toujours mes... Il y a un truc qui me chiffonne. Alors, 4 Docker Compose. Non, tu m'avais dit justement de créer uniquement le web et de laisser le internal. Ok, ça c'était bon. Tu parcours les internets. Ah bah merci Azram. Mais c'est curieux quand même. C'est curieux parce que... Alors, je vais peut-être regarder un truc. C'est si je fais un sudo... Non, j'ai pas NFT directement. J'ai NFTable qui est installé. Ouais, ok. Est-ce que j'ai le binaire NFT? Si, j'ai NFT. Voilà. Et ce que je voulais, c'était lire... J'aurais voulu qu'il m'indique un peu ce que j'ai dans le comme choses qui sont lancées. Salut à toi Yoda. Reviens par là toi. La liste des règles actives. Ouais, exactement. C'est ce que j'étais en train de me demander. La liste des règles actives. Vu que je suis pas encore, je parle pas encore le NFTable couramment. NFT list rules, attends. C'est bizarre, je crois que je l'avais fait il y a pas très longtemps. Ah, je sais où j'aurais pu le mettre. Je sais où je l'ai mis. Alors. Comme quoi, des fois, la mémoire. Ouais. Type nat. Post-routing priority, ça c'est net. Oh punaise. Pré-routing. Ouais. Oui, alors sachant qu'en plus il y a Firewall D derrière, ça doit être un sacré. Forward zone, filter output. Alors, Yoda, vu que tu débarques un peu, en gros, là, l'idée, c'est que j'ai lancé deux conteneurs grâce à un Podman Compose. Et donc, j'ai un conteneur reverse proxy et puis j'ai un conteneur avec mon site web. Et en fait, quand on se connecte sur le reverse proxy, donc que je vais avec l'adresse IP de ma machine virtuelle là qui est en 122.122, et ben c'est pas une IP en 122 qui apparaît dans les logs du Nginx reverse proxy. En gros on arrive avec une IP bizarre. A priori IP NetNSList renvoie rien parce que les namespaces pour les conteneurs ne sont pas gérés de base dans la commande. Oula. Ok. Encore des dépendances qui manquent. Et donc en gros normalement j'ai donc bon ça c'est un réseau Podman qui existe avec l'install par défaut. Et bah justement tiens je vais te montrer à nouveau. Voilà. Là j'ai une adresse IP en 10.89.1.2. Et donc si je reprends mon schéma, donc la 10.89.1.2, elle est dans l'example internal. Alors que pourtant, je me suis bien connecté au reverse proxy. Et si jamais, tiens, je viens ici, je suis un podman ps, podman exec-it, nginx web, bin sh, non pas sg, sh, hop là.
et que je fais un cat var log nginx access log. Tiens, là aussi j'ai 10.89.1.2. Non, non, mais il y a des solutions à base de liens symboliques, mais on va y aller mollo pour ce soir. Alors, en gros, Yoda, là, la partie haute, c'est le conteneur reverse proxy. Et a priori, l'IP qui est ici, moi, elle me paraît bizarre. Et ben, l'adresse IP de mon poste dans le réseau... alors, en fait, voilà. Ça, c'est la VM pod test sur laquelle il y a mes conteneurs. Là, c'est le réseau virtuel où il y a donc ma VM pod test qui est en 122.122. Et ça, c'est donc mon poste avec lequel je stream qui est en 122.1. Et normalement, mes deux conteneurs, le Nginx Web et le Reverse Proxy, bah tiens, on va les mettre hop, comme ça. Normalement, ici, il n'y a que le Nginx-Web, et là, il y a le Reverse Proxy. Hop. Voilà. Je dirais normalement le reverse proxy, lui, il est dans les deux, pour être exact. Hop. Voilà. Si je veux essayer de faire un petit peu... Hop. Je vais peut-être zoomer un petit peu. En fait, le Nginx Web et le Reverse Proxy partagent un réseau, qui est le réseau... Ah non, c'est pas ça, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, le Reverse Proxy devrait être dans les deux, et le serveur web devrait être uniquement dans un seul. Voilà. Le Docker Compose, il dit que... Le RP, le reverse proxy, il est dans les réseaux web et internal. Le reverse proxy, web et internal. Et Nginx Web, il est uniquement dans l'internal. Ok. Et donc, quand je regarde les logs sur le reverse proxy, lui, il m'affiche que des trucs venant de 1.2, ce qui est bizarre. Parce que ça devrait devenir... Si encore il y avait un NAT entre le 122 et le 192.168.122.0 et le 10.89.0.0, à la limite ce serait une IP du coup en 10.89 qu'on verrait. En 10.89.0. Voire même l'IP de la gateway, mais ça me paraît franchement, franchement bizarre. Si je refais, donc là, j'exit, je vois bien, je suis sur le reverse proxy. Tel-f. Donc tu vois l'IP de Nginx Web dans les logs du reverse proxy alors que c'est un truc à gauche qui fait la requête. Et ben, je sais pas si c'est l'IP de Nginx Web, mais c'est une IP du réseau de Nginx Web, très clairement. Var log Nginx access.log. Voilà, hop, et là, j'arrive avec mon petit navigateur web. Hop, là on a des trucs. Une machine sur le même réseau privé, c'est-à-dire sur quel réseau, Azram? Ah, tu penses que ce serait la redirection de port qui poserait des problèmes, peut-être. Alors, ce qu'on peut faire... non, je ne sais pas exactement qui a cette IP, Yoda. Est-ce que je peux faire un petit IPA ici? Alors, lui, il est 1.3. Et lui, il est 0.2. Ah, et il est 1.2. Tiens, c'est marrant, ça. Donc 1.2, c'est lui-même.
C'est quoi cette blague? Alors, une autre machine dans le réseau en 192? Ouais, ça doit pouvoir se trouver, ça. On va prendre l'Ubuntu Desktop qui est là. Hop, on va la run. Remarque, non, elle ne doit pas être dans le bon réseau. Elle doit pas être dans le bon réseau. Elle doit être dans... pas dans le même. Nope, elle est pas dans ce réseau-là. Il faudrait que j'en pop une autre. Ou que je la change de réseau. Hop. On va la changer de réseau. Elle va aller plus vite. Appliquer. Et tu démarres. Gentiment, sans faire d'histoire. Tu penses que c'est le host Podman dans le réseau internal? Mais encore. Attends, j'ai un peu du mal à suivre là. Hop. Parce que la 10.91.1.2, en fait, c'est. Hop, allez, on a démarré une petite Ubuntu. Ah, le délai, ouais, le délai. Alors, est-ce que je peux aussi voir? Est-ce que maintenant je suis bien dans le réseau? Ok, je suis dans le même sous-réseau normalement. Si je fais un ping vers... Alors, je sais que c'est un peu petit, hein, mais... Hop là, reviens-toi là. Ok, ça ping. C'est bon. Et si je tente un SSH, normalement... Et permission denied. Sorry, the con... Oh là, qu'est-ce qu'il me dit lui? Config. Oh là. Non. Ne pas mettre à niveau. Annuler. Config. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors. Nano, peut-être? Ah, ok, donc lui il a carrément pas de fichier de conf SSH, donc on est tranquille. Permission denied. Bon, ok, soit. Il y a un bip bip style compte à rebours. Si je tape moins de 15 mots à la minute, Internet explose. Toujours est-il que si je tente. Est-ce que j'ai curl là-dessus? Non, je n'ai pas curl. Je devrais peut-être les couper, les bips, effectivement. Faudrait que je trouve... Enfin, je sais où les chercher, mais disons que quand je suis sans, quand je suis pas en stream, les bips, je les aime bien. Faudrait peut-être que je vois s'il y a un équivalent en ligne de commande plutôt que d'aller chercher dans le menu GNOME. Voilà, donc là j'ai fait une requête depuis un Firefox Ubuntu sur le port 8000. Oh, ça peut s'arranger. Voilà. Juste pour que tu sois moins triste, Yoda. Et en attendant, il m'aurait fait... Un telnet et un get, ça marche pareil. Sacré Azram. On va même, hop, aller un peu plus. Donc maintenant que curl est installé, ouais, curl est installé. Et B. Faut parler couramment le HTTP, quoi.
Ok, donc j'ai bien un truc. On va peut-être même faire un curl moins grandi, je crois. Hop, voilà. Alors, ouais, si c'était du HTTPS, ce serait un petit peu plus difficile, on comprendrait pas grand-chose. Allez, hop, toi tu dégages. Voilà. Et donc là, ben on est encore en 10.89.1.2. Ouais. C'est comme s'il y avait soit un NAT, soit un proxy encore quelque part. Mais pourtant, on est sur un serveur Nginx. Donc c'est quand même assez amusant. Pas de soucis Manon, merci d'être passé, bonne soirée à toi. Donc on a bien, ouais, c'est bien curl. Bon, je vais faire confiance à Ubuntu sur le numéro de version. Bon, on va peut-être essayer de chercher un petit peu sur le grand internet convivial dans ce cas-là. Hein. Allez, soyons fous, je vais me mettre comme ça. Si on cherche Podman Network NAT. Podman Network, documentation. New Network Stack dans Podman 4. Oula! Azram qui a l'air motivé, qui est prêt à aller chercher des choses sur des conteneurs avant 8h le matin. Alors, si c'est un upgrade d'une installation actuelle, détruire, nanana. Il nous faut la. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Sur une Red Hat. Est-ce que du coup j'ai NetAvark d'installer? Ouais, j'ai NetAvark d'installer, ok. Mais en gros, assignment NAT and port mapping. Donc il y a, ouais, donc en fait avec Podman 4, il y a eu une nouvelle manière de gérer le réseau, en fait. Ok. Sauf que là, du coup, là, je suis sur le site de Red Hat, et si c'est pour du RHEL, je doute fort que ça parle de Podman version 4. Et je suppose que ici, si je fais un rp-q Podman 4.1, donc oui, je pense que là, en route full networking. Voilà, etc, cni, net.d, ok, donc ça c'est... hop là. Alors, Podman Network. Oh, ça me dit un truc, on est déjà passé par là. Podman sur Podman CNI, ok. Ça, on avait compris. Donc, il faudrait que je regarde le network backend dans containers.conf. Bon, je suppose que dans slash etc. Non, j'ai rien. Tiens, c'est étonnant. Alors, c'est censé être dans quel... Ah, d'accord. Par défaut, il y a un USR share. Ok. Alors. A priori, on est censé trouver un truc qui s'appelle Network Backend. Network Backend, ok, donc là j'en ai pas.
D'accord. Alors, ce que je suspecte, c'est étant donné que mon installation en Fedora 36 vient très certainement avec un Podman au moins en version 4, à mon avis, je dois être en Netawark par défaut. Et de toute façon, j'ai pas de RPM avec un. Avec le CNI. Si je regarde les créations de. Alors, Yoda qui nous poste un lien. Hop, voyons voir ça. Alors, serveur web qui a dit. Ok. Use real IP in Docker container. Oh, pas mal. Alors. Comment il fait ça? Volume, environnement, label, volume. IP.domainname.tldir. Ok. Et qu'est-ce que disent les gens? I can of course choose host networking, but that will expose all port open in my container and potentially is not what I want. Alors là, on a une issue dans Podman. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une issue qui est closed, qui est dans Podman 1.8. Alors. Ah, c'est un changement intentionnel. Il y a une option de lancement à utiliser. Parce que là, il parle de rootless kit, network sur le lien. Ouais. Donc on va continuer. Oui, parce que là, il disait network mode host, mais je voudrais d'abord voir tout ce. Qu'est-ce qu'il y a après? You're meant to use moins network to get the fix. On lui précise lequel changement. Ouais. Alors. Aucune idée de ce que ça implique. Bah, c'est pas grave, on va tester. C'est à ça que ça sert ici. C'est à tester. On charge des choses. Alors, déjà on va stopper ça. Ensuite, si je suis juste un peu moins D, comme ça, hop, avec ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit erreur. Parce que c'est du Podman Compose et pas du Podman tout court en fait. Oh, c'est censé être network quoi? Network? Ou alors. Ah, ok. Ouais,
y en a un autre qui disait Network Mode Host, mais ouais, effectivement. Ah, je peux le tenter. Alors la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut voir... Pas de page manuelle. C'est ça, en gros, si je comprends bien, c'est une commande uniquement pour Docker. Enfin, pour Podman, en tout cas. T'inquiète, Azram, c'est pas ta faute. Ce qu'on peut tenter de faire... Podman, attends. Si je tente un truc du genre... ouais, vas-y, Rancune, fais cramer le magnéto. Alors, si on fait ça... Et qu'on lance... Du coup, juste le reverse proxy. Ok, il est là. Ok. Donc là, j'ai mon run. Ok. Et ensuite, si je rajoute ici cette commande-là, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas ça que je veux. Donc là, je l'ai. Maintenant, c'est pas ça. Hop, c'est le exec. Je me trompe toujours, hein. Ça rentre pas encore en... Alors, canonic create exec container state. Ah. Non. Ah, il existe plus. Tiens, j'ai dû me... Donc ça lui pose souci, visiblement. Alors dans ce cas-là, ce qu'on peut peut-être faire, c'est de passer effectivement le NetNS en host. C'est-à-dire, ce serait... Est-ce qu'il y a un network mode là-dedans ou c'est network? Non, c'est network backend. Il faudrait le mettre où alors à ce moment-là? Of course, host networking. Docker compose. Ah, on peut faire un network mode. Ok. Alors, on va tenter comme ça, tiens. Allez, au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Donc a priori, si je comprends bien, faut faire ça. Et si je refais juste par précaution ça. Et ben là, j'ai que un Nginx Web. Tiens. You have to remove... Ah, ok. Je sens que je me suis pris les pieds dans le tapis. Alors, c'était quoi? C'était Podman. RM. Voilà, celui-là.
Ça vaudrait le coup que je démarre ScreenKey. J'ai des raccourcis clavier qui t'intriguent. Ah, alors, je peux peut-être répondre à ça tout de suite, en fait, rancune. Je vais même débrancher le clavier un instant en espérant que ça flingue pas la webcam. Hop, voilà. Tu vas remarquer, ça manque un peu de lumière. Je vais allumer la lumière, j'arrive. Ah, hop. Avec de la lumière, ça va être un peu mieux. Je vais en profiter aussi pour remonter le fauteuil. Mon fauteuil est très confortable. Il a juste un défaut, c'est qu'il commence à vieillir un peu. Mais il est toujours très confortable. Hop là. Et donc, tiens, je vais passer comme ça pour mieux voir. Hop, voilà la tête de mon clavier. Et tu vas remarquer, Rancune, que, entre guillemets, il manque pas mal de touches. Donc je suis sur un clavier dit 60%. Et donc les touches de fonction F, c'est ça, 60, ouais, 60 touches. Et donc en gros les touches de fonction F sont obtenues avec un raccourci clavier en fait. Donc j'appuie sur les bah voilà, bon bah si tu connais hein, je vais pas t'expliquer. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bah en gros donc les touches de fonction sont obtenues par raccourci clavier. Les touches de fonction sont au même niveau que les touches de numéro. Et donc j'ai une petite touche qui s'appelle FN qui est donc ici. Et donc, quand je. Hop, t'as pas fini d'acheter les revues qui fournissent les autres touches. Et ben non. Hop, et si je branchais le clavier au bon ordinateur, ce serait pas mal. Hop. Allez, voilà. Ça explique, le bruit ne correspondait pas aux appuis habituels. Effectivement. Effectivement. Hop, on va revenir comme ça. Mais oui. Et donc, pour l'anecdote, c'est un clavier mécanique. C'est un AN Pro 2. Et encore. Alors, vous l'entendez parce que finalement, il est pas loin du micro. Et j'ai mis pourtant des silencers. Donc j'ai mis des petits anneaux en caoutchouc qui sont censés faire moins de bruit. Dans les faits, ils font moins de bruit. Mais pour certaines autres personnes, il en fait quand même toujours beaucoup. Merci du compliment. Tu t'es offert un custom de chez WASD cette année. Oh! Alors, au début, en fait, avant celui-là, j'en avais pris un autre. Un clavier, comment dire, d'une marque peu connue. Qui était vraiment. Qui avait un seul avantage, c'est celui de ne pas être trop cher. Parce que, en fait, je découvrais le monde du clavier mécanique et c'était mon premier clavier. Certains auront remarqué aussi que c'est un clavier en US Ansi. Donc c'est un clavier QWERTY et je m'en étais acheté un avant, vraiment pas cher. J'avais essayé de faire low cost de chez low cost pour éviter, si jamais ça me plaisait pas, de dépenser trop d'argent. Et puis finalement ensuite je me suis dit bah ça me plaît bien. L'autre clavier était pas de super qualité mais ça me plaisait bien. Et donc et ben en fait, j'avais des collègues au boulot qui avaient des claviers de petite taille comme ça. Et ça me plaisait bien en fait. Je me suis dit, quitte à changer de toute façon, quitte à passer d'un clavier français à un clavier américain, ben, sachant que je ne vais pas utiliser le. Comment dire? Bah les comment dire, le pavé numérique, voilà. Je me suis dit autant utiliser un clavier plus petit, d'une part,
Et ensuite, il y a eu un autre truc que j'ai voulu essayer de faire, c'est que je voulais essayer d'être plus, comment dire, plus efficace dans mon utilisation de mon éditeur de texte favori, qui est Vim. Et en fait, en utilisant un clavier 60%, je n'ai pas les touches fléchées, sauf raccourci, bien entendu. Mais en natif, je n'ai pas de touches fléchées. Contrairement à certains claviers qui sont un peu plus que 60%, je pense notamment au 68%, qu'on appelle aussi clavier TKL pour 10 keyless. Qui, eux, ont quand même les touches fléchées. Et là, celui-ci ne les a pas. Je peux faire un raccourci. Alors, bien entendu, le raccourci clavier, il se fait... Alors, enfin, non, pas bien entendu. Il se fait pas sur AJKL, comme on pourrait penser, mais en fait, il se fait sur WASD. Quand je veux faire les flèches. Donc là, par exemple, là je remonte dans l'historique avec les flèches. Ou alors, je pourrais essayer de faire CTRL-R, revenir aussi comme ça. Mais voilà, en fait, ça m'a obligé, entre guillemets, et c'est ce que je voulais, en fait, c'est justement essayer d'apprendre quelques raccourcis clavier de la navigation dans le shell, ce qui m'a permis d'être plus rapide à ce niveau-là. Et forcément, bah, quand on est dans VI, s'obliger à faire JEK pour monter et descendre, les CTRL-F pour aller vite en bas, les CTRL-B pour remonter vite, ce genre de choses-là. Et honnêtement, je pense pas être encore devenu ultra à l'aise. Il y a pas mal de fois où, bah, comme Vim, de toute façon, on comprend les touches fléchées, j'ai quand même le réflexe de poser mon pouce sur la touche de fonction et de monter avec le W et de descendre avec le S. Ce qui est quand même un peu... peut-être que ce que je devrais faire, mais ce serait, je pense, peut-être pas forcément très... comment dire, ce serait peut-être pas très constructif de ma part, parce qu'à ce moment-là, je dépendrais de ma conf particulière, mais peut-être de remapper les touches AJKL, ou en tout cas leur utilité de ces touches-là, et de les mettre sur WASD, mais ce serait peut-être un peu abusé. Puisque bon, historiquement, pour se déplacer dans VI, c'est AJKL. Bien, bien, bien. Après cet interlude de clavier, donc a priori, quand on met un network mode host, alors je l'ai peut-être pas mis au bon endroit, on va regarder, hein. Je suis censé le mettre où ? Ouais, ok, je suis pas en mode swarm, je pense. Network mode, host cannot be mixed with links. Oula. Parce que là, il montre des... Mais après, ce qui m'embête, c'est qu'on est dans la documentation Docker. Docker compose. Et si je reviens sur les trucs, la Podman... ça, c'est quoi ? Ça, c'est Podman Network. Est-ce que j'ai un Podman Compose ou un Compose là-dedans ? Quick Search, Compose. Podman Build, Podman Create. Non, ça c'est pour créer un conteneur. Et Podman Build, ben... build une image, ça on avait vu. Ok, et si je cherche Podman Compose. Ok, dans les commandes, Podman Remote. Alors j'ai le Podman Network, mais... Alors, hop, donc a priori, il y a directement le projet chez Containers sur GitHub. Donc une implémentation de la
Spécification compose. View the spec. Ah ouais, carrément. Cloud diagnostic, stream, nanana, ok. Compose specifications. Community AWS Docker Azure, ok. Et view the spec, et on retombe sur GitHub. Fantastique. Nous faire aller sur un autre site pour nous faire revenir sur GitHub. Ok. Non, mais c'est pas loin de ce qu'on veut faire. Hein. Et front-end, image, port, networks, config. Oui, ok. Et c'est quoi qu'on cherchait? Network mode, hein, c'est ça? Network mode. Network underscore mode. Ouais. Et des restrictions, alors. Les services qui ont des dépendances. Ouais, ok. Je suis pas sûr de comprendre. Les services ne peuvent pas avoir de dépendance circulaire. On a fait des de références circulaires. Ok. Alors, network mode. Set service containers. Ouais, ok. Alors. Donc a priori, il est au même niveau, hein. Il est au même niveau. Network mode, host. Mais le truc dit pas grand-chose de plus que la même chose qu'on voit dans la documentation Docker Compose, en fait. Il se peut qu'il soit à mettre dans chaque service. Ouais, j'aurais aimé qu'il se soit... Alors attends, soit j'ai mal lu... T'es où la spec? Hop, t'es là. Cette service contient... Bah écoute. On va le mettre, hein. On va le mettre là, tiens. Juste en dessous de... juste après les networks, tiens. Hop, voilà. Et puis, hop, ils sont toujours là. Ah, alors là, il m'a sorti une erreur. Il peut pas faire plusieurs networks sans bridge network. Selected mode host invalide argument. Et du coup, il m'a sorti qu'un seul truc. Ok. Est-ce que dans ce cas-là, on devrait pas mettre le web en mode host? Est-ce qu'il y a moyen de le dire? Vas-y, mets-toi en mode host. Parce que je peux faire du coup sum. Alors, si je comprends bien leur truc, hein. Donc, networks, je mets web comme ça. Hop, et je lui dis là. Moyen de faire ça, non? On va essayer comme ça. Non, là j'ai fait sauter le YAML. Parser error. Comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ou alors, il aurait fallu que je fasse... Attends, services, some services, ok. Services RP, networks, le nom du network, aliases, ah il faudrait que je fasse network mode, comme ça, non à ce moment là ce serait,
Et du coup, il faudrait peut-être que je fasse plutôt internal comme ça. Et que je fasse network mode. Enfin, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de le mettre en... Et les network mode, on peut faire... Quelle valeur ? Ah ! Ah, et en fait, non, c'est comme ça que ce serait alors. Et le service name, bah, ce serait nginx-web. Non, toujours pas. Alors là, il se... Déjà, il y a moins de trucs. Missing networks web. Comment ça, missing networks web? Il existe pourtant. Networks, web, internal. Alors, on tente comme ça. Alors déjà, par précaution. Voilà. Non, toujours pas. Et si je fais juste comme ça, si ça se trouve... Je fais un stop, mais c'est plus par acquis de conscience. Je suis en train de me dire que celui-là, je vais peut-être le supprimer de réseau. Parce qu'en fait, si Schwinn... Voilà. Le web, on a dit qu'on le laissait tranquille. Non. Alors. Maintenant que j'ai nettoyé mes conteneurs. Mon Docker Compose. Alors, est-ce que je remets un truc dans le web? Et à ce moment-là, je mets... Ouais, je mets host. Parce qu'a priori, c'était le but, hein, c'est de mettre un network mode en host. Missing networks web. Ah, toujours pas. Où est-ce que j'ai pu me tromper là-dedans?
J'avoue être un peu sur le être en mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans quelle dans quelle galère je me suis embarqué? C'est quand même vraiment chelou cette affaire. Alors. Donc j'ai un conteneur. Enfin j'ai deux conteneurs. Si je vais revenir sur le truc de base, hein. Oups là. Est-ce qu'au moins ça remarche? Oh, reste avec moi. Hop là, voilà, ici. Si ça, je le relance. Ça, je le relance. Ok, c'est cool. Ok, je suis. Je rafraîchis ma page. J'ai toujours mon petit mouton, ça c'est cool. Si je tente depuis. Tiens, elle est passée où la VM? Hop, elle est là. Est-ce qu'elle va vouloir sortir de veille? Quitter Firefox, ouais, ok. Ok, j'ai toujours un truc. C'est cool. Parce que bon, à la rigueur, l'exemple fonctionne. C'est juste que il me manque la compréhension de cette translation d'IP là, qui est pourquoi quand on a quelqu'un qui est dans ce réseau-là. Il a un 10,89,1. Et je relance mon cœur. 10,89,19. Tiens, c'est plus la même IP. Ok. Parce qu'il est en disque. Donc c'est son IP. Il a un ETH1 à ETH0. Alors, est-ce que j'aurais un truc dans les logs qui serait intéressant? Log format remote. Ouais, non, remote ADR. ADDR, ok, soit. Et. Ok, donc il arrive à faire un ping jusque. Ce qui veut dire que si là je me mets ici. Et que je fais. J'ai un virbr 0. Ouais, le virbr 0, ça me paraît bien ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface de mon réseau virtuel. Donc maintenant, si je lance TCP dump, il va y avoir plein de trafic. Mais on a notamment nos EICMP, Echo Request et Echo Reply. Et aussi mon SSH. Alors, si je fais juste ICMP. Ouais, voilà. Donc a priori, ça, c'est NAT. Hop, pardon. Hop. Donc là, j'ai bien un NAT.
J'ai bien un add dans ce sens. Ok. Et si je... si je fais TCP... Port 8000, si je me rappelle bien. Et que je vais là-dessus. Ok. IRDMI. Oh là, c'est quoi ce truc? On va partir du principe que c'est le bon numéro de port, je pense. Ah, j'aurais pu rajouter un moins V pour full protocole des codes. Ok. Si je fais ça... IRDMI, ok. Donc c'est bien le 8000, ok. Donc il m'a bien renvoyé un truc. Il m'a bien renvoyé un truc. Il m'a bien renvoyé avec cette IP là. Alors, je serais tenté de vouloir faire un truc moche. Je serais assez surpris qu'il y ait... Alors, ce serait TH0 à IF6. Le mode réseau par défaut, c'est Sleep4NetNS. Donc c'est tout le fonctionnement de ce composant qu'il faut comprendre. C'est pas tant Podman. Oui, alors faire du TCP dump dans le conteneur, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle en plus. Donc c'est SLIRP4NetNS. Ah, pour toi c'est le fait d'être en rootless. Et bah tu sais quoi, tiens, soyons fous. Soyons fous, on va le tenter en... Allez. Hop là. On est limité dans les actions qu'on peut réaliser, donc une élimination fait via... Ok. Soit. Et bah on va le tenter, on va le tenter en... Alors, ah, t'as trouvé quelque chose. Azram, t'as trouvé quelque chose. Directement chez Red Hat qui dit qu'est-ce qui se passe dans un conteneur rootless. Ok. Bon, dans cette doc, il s'enflamme un peu, je pense, en parlant de VPN. Ouais, mais à la limite, moi, je trouve que faire tourner un VPN dans un conteneur, ça m'intéresse. Pulling the image. Oh là là, oh là là. Ouais. Ouais, bon. Alors, on va tenter un truc. Podman network ls. Et si je fais un sudo de ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, il y a vraiment une. Donc, rm web. Il va dire qu'il est pas content. Voilà. Et ensuite, on dégage ça. Et ensuite, je vais faire un tout. On va créer le web. Hop. Ok.
Et si je fais la même chose sans le sudo, normalement on voit pas pareil. Ok. Et là, du coup, il rebuild. Et donc, je vais essayer de me reconnecter dans le conteneur. Ok. Si le mode par défaut c'est slurp for NetNS, tu sais pas ce que donne une fois lancé en route. Et ben on va essayer. Hein. Justement, là je viens de le lancer en route techniquement. Donc t-f var log nginx access.log. Donc là il est vide. Et si je reprends ma VM ici. Voilà. Et je recommence. Donc là j'ai toujours quelque chose. Et j'ai bien mon IP. Donc effectivement, il faut lancer le bignou en tant que route. Faut lancer le bignou en tant que route. Peut-être qu'il y aurait des ajustements à faire dans le Docker Compose pour correspondre au mode Docker route full. Peut-être. Ah non, d'accord, oui. Ah, encore le lag. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien obtenir ce résultat-là sans avoir à être root. Ouais, hein, c'est à creuser cette histoire de slurp for NetNS. Moi, je trouve ça un peu dommage d'avoir à être root juste pour ça. Parce que du coup, en fait, là, du coup, j'ai lancé tous mes conteneurs en tant que root. Et à la limite qu'il y en ait un qui soit lancé en tant que route, à la limite, je veux bien l'entendre, mais tous. Alors après, c'est sûr qu'il y aurait la problématique du « ils sont pas dans le même sous-réseau virtuel ». Je sais pas si quelqu'un arrive à y comprendre plus que moi dans cette histoire. Oui, peut-être, il y a des... je veux bien croire qu'il y a des limitations, mais ce que je veux dire, c'est que là, de toute façon... Dans la mesure où on est... Ou c'est peut-être moi qui vois pas plus loin que le numéro de port, puisque le truc est branché sur le port 8000. Tu vois, à la limite que pour le brancher sur le port 80 ou 443, que je sois obligé de faire de la redirection de port sur l'autre qui lance le conteneur, je comprends. Mais... et que du coup, ça, le kernel, et que ce soit géré en mode privilégié, je comprends. Mais... Mais là, j'ai un peu du mal à saisir en quoi il y a besoin d'être root pour ça. Parce que justement, le truc arrive quand même à faire des réseaux virtuels en mode utilisateur. Donc soit il y a une configuration à faire quelque part. On va se relaisser un truc parce que ça, c'est intéressant quand même. Tac, donc sudo quadman compose stop. Hop, on va le faire en sudo. Voilà. Ensuite, ensuite, il y a ça qui m'intéresse là. Donc ça, c'est le fichier de containers.conf. Donc si je fais un petit sudo cp-vp, je pense qu'avec ça, ça va pas aider sur les etc containers. Ouais, bon, ouais, je sais que c'est pas forcément la fête, mais sudo vim. Hop. Ouais, non. Ah,
Voilà, mieux. Et donc, il y a un moment, il y a un truc genre net. Non. Ah, punaise. Network. Donc, a priori, default way to create a network namespace for the container. Option private, option host ou option none. Et sinon, ici, dans network, on a le back-end. Donc, a priori, le back-end, ce serait netavark. TCCNI. Est-ce que ce fichier, est-ce que ça existe? Il y a un CNI.lock. Ah. Alors est-ce qu'il n'utiliserait pas encore le réseau, le truc en CNI? On va le forcer à utiliser Netavark. On va voir ce que ça donne. A priori, c'est là hein, qu'il faut mettre. Et donc, si je recommence ici, juste par acquis de conscience, on va faire un up en force recreate. Non, il s'est viandé. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon Docker? Tac, tac, tac. Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait le. Je l'avais oublié celui-là, parce que j'avais tout recréé en tant que route. Alors. Alors, Azram, je vais essayer ton truc après. Là, on a notre reverse proxy. Ok. Allez, reviens voir par là Ubuntu avec ton cœur là. Je sens, ok, et je suis toujours effectivement dans le réseau. Ok, soit. Ouais non, pas sudo. Hop là. Voilà. Donc ça ne marche pas. Alors, juste par précaution, on va l'enlever. Et ensuite, donc tu voulais rajouter le. Il faudrait le rajouter pour chaque conteneur. Alors, je vois pas trop où le rajouter exactement. Que si je le mets comme ça, il a pas l'air de. Ça sent le. Hop, comme ça peut-être. Mais du coup. Au même niveau que build, networks, etc. Ah oui. Alors. Ah bah. Un network de points. Deux points. Hop là. Donc pour toi, ce serait comme ça en fait. Mais alors j'ai du mal à comprendre. Ouais, j'aurais networking. Ok, c'est. Je trouvais ça bizarre, mais ok. Bah, écoute, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Juste, est-ce que j'ai mes networks? Podman, Podman Network. LS, ça, on les a. Alors, juste par précaution, je vais peut-être RM celui-ci.
Sérieux? Il en a un? J'ai fait le RM en sudo. Ah oui, d'accord. Voilà, mieux. Mieux. Et ensuite. Hop, le build. Hop, le compose. Hop. Ok, donc là il m'a fait un exit code 0. Alors, Podman PS, j'ai les deux. Et maintenant, on reprend ici. Hop. Et ben non. Ah, est-ce qu'il m'a sorti des trucs Ouais, non, en plus j'ai même plus le. Bon, donc a priori, pour le moment, on s'oriente vers. Faut lancer le biniou en tant que route. Ouais, hein, c'est. Alors certes, il y a une porte de sortie, mais encore une fois, enfin, je trouve ça bizarre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être en rester là pour ce soir. On continue de débroussailler ce truc-là. J'espère en tout cas que vous passez malgré tout un bon moment. Moi, je suis content de pouvoir, voilà, prendre un peu le temps de creuser cette techno et de voir exactement ce que ça implique. Peut-être qu'à force d'insister sur cette histoire de vouloir faire les choses pas en tant que route, je vais. Alors Yoda, ce que je vous propose, c'est de tout lancer en route, comme ça on n'a plus de problème. Alors, si bien sûr, enfin dans l'absolu, oui, on pourrait, mais où serait le fun? Où serait le fun, franchement. Tout marcherait, ce serait pas drôle. Hein? Franchement. Tout lancer en tant que route, enfin, ce serait trop facile, enfin. Je suis pas venu ici pour la facilité. Bref, plus sérieusement, effectivement, je pense que je vais essayer de regarder si j'ai un peu de temps à tête reposée et hors stream. Parce que je pense que je vais pas non plus passer à chaque fois 2 heures sur un truc en mode oh, je veux absolument le faire pas en tant que route, pas en tant que route. Donc je suis venu ici pour souffrir, ok. Ouais, un peu comme certaines résistances ou autres composants en rancune, hein. Azram qui dit à Yoda, à partir de demain, je lance tout en route. Et je dirais que j'ai vu ça sur Twitch. Je ne saurais être tenu pour responsable d'éventuels problèmes, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je pense que maintenant, je vais devoir mettre une introduction à chacun de mes streams en mode don't try anything you're about to see at home or at work. We are what you call non pas expert non pas expert je peux pas dire ça je peux pas dire ça alors Rancune le CH mode 777 je crois que je l'ai déjà essayé surtout en moins R et sur slash. Pour la petite histoire, si jamais ça vous amuse, bah d'ailleurs c'est l'occasion de faire un petit peu de réclame pour ma chaîne YouTube, normalement. Alors je sais que je suis très en retard sur les VOD, mais normalement sur ma chaîne YouTube, vous devriez trouver entre autres un de mes anciens streams où j'avais justement testé comme ça plein de commandes justement dangereuses. Et, euh,
et on pouvait voir un peu le résultat que ça donnait. Oui, tout remonter en tant que lecture seule. Ça normalement ça passe, hein. Tu logs juste plus rien, quoi. Mais ça avait été assez amusant. Ça avait été assez amusant. Mais en plus, il y a Rancune, il y a deux vidéos. Il y a deux vidéos. Il y a deux vidéos où effectivement je m'étais basé sur quelqu'un qui avait voulu se faire mousser sur Twitter en mode les 10 commandes à ne pas lancer. Et je les ai lancées toutes dans des VM justement exprès pour tout casser. C'était assez drôle, on s'est bien marré. Il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Et normalement, bah, vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube ainsi que toutes mes autres adresses vers les réseaux sociaux avec point d'exclamation socials, hop, qui vous donne notamment l'adresse de ma page perso qu'on utilise, dont on utilise le code HTML justement. Alors si je reviens, hop, comme ça ici. Comme ça, vous la voyez, avec notamment bah, les vidéos YouTube, mon profil GitHub, voilà, tous les liens sont là. YouTube, Mastodon, Twitter, Twitch, GitHub, là, voilà, tout. De toute façon, si jamais vous regardez cette vidéo en replay, normalement, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, tous les liens sont normalement là-dessous. Je stream en général. Je dis bien en général parce que cette vidéo-là est tournée un lundi, donc c'est assez exceptionnel. Mais, hop, si je reviens comme ça, ce sera mieux. Je stream en général les jeudis et les dimanches. Les jeudis de 20h à 22h, ce qui me permet ensuite d'aller raider Rancune, dont je ne saurais trop vous recommander la chaîne. Le dimanche de 18h à 20h. Mais du coup, je termine un peu trop tôt pour aller raider Yorzion. À part ça, donc, la chaîne, les autres chaînes, je vous en ai parlé. Généralement, les jeudis, voilà, on fait joujou avec autre chose, les jeudis. On fait pas ce qu'on vient de faire. Le jeudi, le nom du stream, généralement, s'appelle Lab as Code. Et l'idée, en fait, c'est de se monter un laboratoire réseau virtuel en utilisant des outils d'infrastructure as Code, comme notamment... Terraform et CloudInit, et puis peut-être bientôt Ansible, j'espère. J'aimerais bien avancer pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et les dimanches, généralement, en ce moment, et ben voilà, je fais joujou avec Podman, avec les conteneurs, et puis on va essayer de voilà de continuer à itérer, à comprendre un peu ce qui se passe, à essayer de monter des trucs de plus en plus complexes avec des conteneurs. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à un gros truc qui commence par un K et qui finit par Ubernetes. Mais on n'y est pas encore. Voilou. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et un super début de semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous jeudi. Ciao, ciao !